La Premier Division della stagione 89-90 vede per la prima giornata affrontarsi il Lens e il Mulhouse. I giallorossi sono accolti al Félix Boeller da un pubblico molto caldo che vuole spingere le Sanghie d'Or ad una stagione tranquilla. I primi avversari sono i neopromossi del Mulhouse, tra le cui fila milita proprio un giocatore ex Lens, Blazo Zliskovic. Ma vediamo le fasi salienti del match nel commento originale del nostro collega di TF1, Arsène Lupin. C'est mon frou qui frappe, poteau du Lens! Attention à Jean-Marc Deniger, c'est le but qui ouvre le match, but du Mulhouse! Roger Moly, mais Pascal Rann arrête, c'est corner. Pitourka, ça frappe et c'est encore poteux pour les Lensoises. Ballon sur la gauche pour Montuil, mais Pascal Rann dévie encore un corner. Ballon pour Iannuzzi, ça frappe, Pascal Rann, un corner. Déviation de Roger Boly, mais le gardien de but sauve encore son équipe. Contre-pied du Mulhouse, ballon pour Marc Keller, ça frappe, le gardien de but de Lensoise arrête. Superbe ouverture de Boly pour Montel, ça frappe et égalisation du Lens. Les milieux du Lens ont marqué son premier but de la saison. Pitourka, ça frappe encore une fois, Pascal Rann arrête. Keller passe à Zliskovic qui frappe. Barre transversale, Zliskovic but! But du Mulhouse, incroyable! C'est le but qui décide le match!